Bonjour à vous, amis taureaux et ascendants taureaux, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous allons dans cette vidéo voir les énergies pour la semaine du 29 mars au 4 avril, de façon générale, ça peut concerner tout domaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, un commentaire si vous n'êtes pas encore abonné. Pour une guidance ou une consultation, vous avez dans la description sous la vidéo le lien de mon compte Facebook ainsi que mon mail. Et maintenant, eh bien, découvrons ce que... Tiens, ceux-là, oui, je vais les prendre. C'est-à-dire ce que l'oracle aura à nous prédire pour cette semaine. Eh bien, on nous parle d'une femme. L'âme. On parle de l'initiation, de travail. Je vais dire que vous avez croisé, rencontré une personne par votre travail ou par le travail de l'autre personne et que là vous aimeriez aller plus loin avec cette personne. Il y a également la possibilité que vous avez fait un travail sur vous-même dans un premier temps. Justement, vous avez fait un travail sur vous-même parce que vous avez eu besoin de faire un travail sur vous-même avant de vous lancer dans une quelconque histoire d'amour, sachant que pour vous c'est comme si que dans votre tête, vous aviez réservé votre place, vous aviez réservé cet homme pour vous, dans votre tête. Mais qu'avant, eh bien, vous aviez besoin de faire un travail sur vous-même pour mieux vivre la relation que vous souhaitez avec cette personne. Vous voyez la transformation? On parle de Oméga pour moi, c'est, voilà. Transformation, puis ça me parle également le fait de laissez le négatif derrière, voyez. On laisse le négatif derrière pour accueillir du positif. Vous aviez besoin, voilà, de faire la paix avec le passé, de faire la paix avec vous-même, de vous reconstruire pour justement, voilà, pour élever vos vibrations et vivre cette relation pleinement. Une relation, parce que cette relation, vous, comme je disais, vous savez, vous avez envie de vivre. Et tout le travail que vous avez fait sur vous-même, c'est pour vous, en priorité, mais également pour cette personne. Et la chose, c'est que lui ne sait pas. Il ne sait pas que le travail que vous faites sur vous-même, c'est pour vous deux, c'est pour lui également. Et en même temps, il ne sait pas non plus que vous faites actuellement un travail sur vous-même, ou que vous avez fait un travail sur vous-même. Mais il est possible que vous allez lui dire, lorsque vous serez prête à vivre une histoire d'amour, peut-être que vous allez lui demander de vous pardonner, de ne plus d'avoir été distante, de ne plus lui avoir donné de nouvelles pendant un moment, parce que vous travaillez sur vous-même pour vous deux, pour vous, en priorité, comme je disais, mais également pour cette personne. Il y a également pour d'autres personnes, taureaux, ascendants taureaux, moi j'ai, ça y est, c'est-à-dire que ça y est, vous avez enfin trouvé le boulot de votre vie, de votre rêve. Vous allez pouvoir vous épanouir, être reconnu, avoir de la reconnaissance. Cette reconnaissance, et oui, qui est très importante pour vous, mais que pour le moment, eh bien, vous pouviez toujours rêver, ou avant, en fin de travail, vous pouviez toujours rêver pour avoir de la reconnaissance. Et j'ai envie de dire, bon, forcément je ne dirai pas le mot, mais précédemment, pour avoir de la reconnaissance, eh bien, je ne dirai pas le mot, mais vous m'avez compris. Et là, eh bien, ça y est, vous allez pouvoir travailler et il y a cette notion également que ça y est, que pour vous, ce sera plus, vous n'allez plus voir ça comme un inconvénient, comme une corvée. Vous voyez cette notion de corvée. Là, ça y est, vous allez pouvoir enfin travailler parce que voilà, par plaisir et non par corvée. Travailler par plaisir et non par corvée. Vous avez toujours rêvé de travailler par plaisir, de vous faire plaisir, d'être heureuse au travail, que
de vous épuiser, je dirais, au travail. Après, le fait de s'épuiser, ça peut être au niveau énergie. On peut faire un travail qui demande forcément beaucoup d'énergie physique, mais à laquelle on s'épanouit. Et faire un travail qui ne nous plaît pas forcément, qui ne demande pas beaucoup d'efforts physiques, mais qui nous épuise moralement, parce que ça ne nous plaît pas. On le fait pour l'argent, pour le salaire, parce qu'on a un loyer à payer, on a des charges à payer. Mais si on pouvait s'en passer, eh bien, ce serait avec plaisir. Et là, à contrario, eh bien, le métier que vous avez trouvé, le poste que vous avez trouvé ou le projet que vous avez enfin finalisé, eh bien, vous pouviez, enfin, dans le sens où vous ne pourrez pas vous en passer. Ce sera un bonheur pour vous que vous allez vous dire, ah mais jamais j'aurais pensé qu'on pouvait être heureuse, heureux en travaillant. Et là, je me rends compte que c'est possible. On peut s'épanouir en travaillant. Vous voyez, vous allez enfin, eh bien, réaliser qu'on pouvait associer le travail à l'épanouissement, au bonheur, au plaisir. Que c'est tout à fait possible. Que vous pouvez gagner votre vie, même bien gagner votre vie, en étant heureuse au quotidien. Et ne pas se dire du matin au soir, ne pas se dire le matin, oh là là, je pars au travail. Encore, voilà encore une journée de travail et le soir, ah ben il manque que la journée soit finie. Non, parce que pour vous allez savourer chaque instant, du matin au soir. Chaque instant, vous allez pleinement les savourer parce que vous allez aimer ce que vous allez faire. Vous allez enfin aimer ce que vous allez faire. Et maintenant, amis taureaux, ascendant taureau, il me reste à vous remercier pour votre présence, vous souhaiter une bonne journée, prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis à bientôt.